Donc là, ça fait un bon mois que vous avez démarré ce programme sur ce motomède spécial Parkinson. Donc, vous me dites que ça a donné quoi? Ben, ça m'a donné de la souplesse au niveau des membres inférieurs. Oui. Je suis plus à l'aise pour marcher, sans fatigue. Je me sens plus décontracté, beaucoup mieux. Plus décontracté, beaucoup mieux. Ah oui, Ouais. tout à fait. Et vous me dites que les... il y a des personnes qui s'en sont rendues compte autour Ben, de tous mes vous? amis m'ont trouvé changé au bout de 15 jours de cet appareil. Ah J'avais oui, déjà changé au niveau de la marche. au bout de 15 Au bout jours. Donc de ça a duré, ça c'était les 15 premiers les jours ont 15 été premiers jours déterminants. déterminants. Voilà. Et maintenant ça se maintient quoi en Ça se quelque sorte. maintient et je marche, je me promène, je fais 9, 7 à 9 km sans problème. 7 à 9 km. Tout à fait. D'accord. Donc là, on a mis un braquet maximum, on a allongé au maximum le bras de levier du pédalier pour avoir un mouvement plus ample. C'est beaucoup plus ample. Voilà, c'est plus ample. C'est Hein. plus ample. Voilà. Et donc, on a doublé la dose puisque maintenant vous en faites 1 heure, c'est-à-dire que vous mettez deux fois le Deux programme. fois le programme, deux fois le protocole, ce qui fait qu'on tourne sur 12, 24 km. 24 km, voilà. 24 km. L'appareil affiche 24 km et en tout cas, ça fait 1 heure. Et là, Voilà. Et vous n'êtes pas trop fatigué? du tout, absolument pas. Vous marchez combien à peu près? 7 à 8 km. 7 à 8 km. Ouais. Alors, vous avez refait du judo? Ouais, ben, j'ai arrêté depuis 10 ans. Je ne suis pas monté sur un tatami depuis 10 ans. Et là, vous aviez refait avec votre kiné qui en faisait? Ouais, tout à fait, ouais. Sur ce motomède, chaque programme spécial Parkinson dure 30 minutes et comprend 7 phases. Phase 1, un premier échauffement à 30 tours minutes pendant 30 secondes. Phase 2, un deuxième échauffement à 50 tours minutes pendant 1 minute. Phase 3, un troisième échauffement à 70 tours minutes pendant 2 minutes. À la fin de cet échauffement, le patient a parcouru l'équivalent d'un kilomètre. Phase 4, on arrive enfin à la phase la plus longue et la plus rapide, à 90 tours minutes pendant 23 minutes. Le patient parcourt l'équivalent de 10 km à vitesse rapide. Phase 5, une première phase de retour au calme à 70 tours minutes pendant 2 minutes. Phase 6, une deuxième phase de retour au calme à 50 tours minutes pendant 1 minute. Phase 7, une troisième et dernière phase de retour au calme à 30 tours minutes pendant 30 secondes. Lors de la phase de retour au calme, le patient a parcouru l'équivalent d'un kilomètre. Au total, le compteur affiche 12 kilomètres. Avec ce patient, on arrive maintenant en fin de progression et il effectue deux fois ce programme, c'est-à-dire 1 heure de travail. Le patient ne doit pas chercher à pédaler plus vite que la machine, ni freiner le mouvement. Il doit se laisser entraîner par le moteur et suivre le mouvement. Lors de son séjour en centre de rééducation, ce patient effectue également une rééducation classique. Donc, réaction adaptée au pull test, en avant, en arrière, mais surtout, même latéralement. Voilà, et vers l'arrière surtout maintenant. Donc voilà, encore un coup. Donc réaction très adaptée au pull test. Très bien. Mais qu'on peut faire dans tous les sens également, c'est pas interdit. Béatrice aime bien. Et encore, attention, c'est que c'est un ancien ceinture noire, deuxième dan de judo, hein. Allez-y, partez. Sans vous faire mal, sans abîmer les genoux. Hein. Couchez-vous. Ou relevez-vous. Voilà, sans autre appui que le sol. Sur un pied, vous arrivez à tenir aussi? 1, 2, 3, 4. L'autre pied, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On refait 1, 2. C'est plus difficile ce côté-là. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, voilà. Ça va que jusqu'à 10, hein? Hier, on est allé à 30. Ah, hier, vous avez été jusqu'à 30. Donc, on peut essayer. Allez, on repart. 1, 2. On va aller aux escaliers qui sont après le poivrier. Allez-y. Ils sont plus beaux. Et plus haut, plus difficile un peu. Donc il a un périmètre de marche de plus d'un kilomètre. Hein? Ah oui, il fait 7 kilomètres. Combien? À droite, monsieur. 7 kilomètres. Voilà, essayez voir. Sans se tenir. Et vous revenez. Revenez vers nous. Le demi-tour bien exécuté. Voilà. Essayez deux marches par deux marches, vous arriveriez. Attention, hein. Voilà, la descente plus difficile. Hein. Faites pas mal. La descente, c'est pas possible. Non, non. Non, non, mais la remontée, refaites deux marches par deux marches. Voilà, c'est pas mal. On redescend, tranquille. Donc la balnéothérapie également, bien haut, la marche des gardes anglais, en avant et après en arrière. Quatre semaines de séjour. Sur les 4 semaines, les 2 premières semaines, il n'y a pas eu de tapis de marche. Non ? Hein, c'est bien ça ? Et c'est dans la 3e semaine, donc on a fait 3 essais, 3 entraînements. Et cette semaine, on aura fait également 3 entraînements. Et vous, vous ne sentez pas de fatigue ? Pas du tout. Le repère visuel ici, il me semble, qui lui permet ici de voir jusqu'où il doit aller. Parce que sinon il faisait des pas trop petits au départ. Hein. Et grâce à cette petite sangle, hein, voilà, sur laquelle il donne des coups de pied de temps en temps, voilà, il fait des pas suffisamment grands. Alors, pas trop fatigué ? Non, ça va, j'ai récupéré 2 minutes de récupération et puis c'est bon. Eh bien, bonne continuation. Bonjour, merci. Alors, ce qu'il faudrait maintenant, c'est essayer de continuer. Moi, je vais continuer à la maison, hein, sans problème. Hein. Alors. C'est l'équipe de rééducation de Rigel et collaborateurs qui a pu démontrer que les exercices forcés, que l'on pourrait traduire également par exercices à contrainte de vitesse, sur tandem, ils ont fait leurs expériences sur un tandem qui a à peu près le même effet que le motomède à vitesse rapide que nous venons de voir. Eh bien, ces exercices avaient une action sur les symptômes de la maladie de Parkinson. Alors, par quel mécanisme? Eh bien, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'il y aurait des changements dans la chimie du cerveau de ces patients qui ont pédalé pendant un temps assez long.